Salut tout le monde, c'est Flanou, de retour sur notre survie FNAF. Et la dernière fois, il s'est passé vraiment des choses horribles à cause de Golden Freddy, mon renard shipper qui est là depuis le tout début de notre aventure et qui m'aide a disparu lors d'un combat contre le Golden Freddy. Donc en premier, on va mettre le Golden Freddy dans la prison haute sécurité parce que hors de question qu'il fasse du mal à quiconque, il est horrible. Ensuite, on rendra hommage à Shipper, mon petit renard. Oui, franchement, il a tout donné, hein. Il a vraiment essayé de m'aider et... Ah, j'étais dégoûtée, vous aussi, dans les commentaires. Donc, bref, voilà, faut qu'on lui fasse une statue en son hommage. Également, aujourd'hui, j'aimerais bien découvrir les drones animatroniques. Oui. Ce week-end, c'était très rempli de mon côté, puisque je suis passée dans le Minecraft Live 2023. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah vous pouvez revoir mon passage, il y a un clip sur mon Discord, voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Également, je vous ai fait un TikTok qui résume les nouveautés qu'on a pu voir dans le Minecraft Live. Prochainement, il va y avoir des snapshots, donc bien sûr, je testerai ça en vidéo et en live. Donc pensez bien à me suivre, à vous abonner, mettre un petit like si vous aimez mes vidéos et activer la cloche pour être au courant bah, de toutes les nouveautés, tous les contenus qui arrivent, voilà. Également, le 31 octobre, il y aura mon traditionnel live Halloween, il y aura une surprise en tout début pour vous la communauté, vous pourrez venir jouer pour un event spécial, oui, qui a été concocté pour vous de toutes pièces. Plus d'infos sur mes réseaux sociaux, je vais vous faire toutes les annonces. Yes, c'est parti, aujourd'hui on enferme Golden Freddy et on fait le mémorial pour Shipper tout en découvrant les drones. Le Golden Freddy, franchement, il mérite plus que la prison, hein. Il m'a saoulé. La dernière fois, il m'a agressé et tout. Moi, je croyais qu'il allait être gentil. En plus, vous me le réclamiez depuis pas mal de temps. Avant, je l'aimais bien, le Golden Freddy, mais c'est fini. Ah oui, au fait, il y a Balland Boy qui a disparu. Il faut que j'enquête sur sa disparition. Vous croyez qu'il s'est noyé? Ça se trouve, il s'est enfui. Purée. Alors, encore un autre problème en plus dans ma survie. Mais d'abord, on va aller mettre le Golden Freddy en prison. Pour cela, j'ai tout prévu. Alors, par contre, là, ça risque d'être dangereux parce que la prison haute sécurité, il y a quand même des spécimens horribles. Il y a notamment Springtrap, Enar, plein de joyeuseté, quoi. Ok, c'est parti. Alors, peut-être que si je le mets en cellule... purée, il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même eux, hein. Attends, ferme la porte. Ok. Pourquoi mes tablettes, elles sont ouvertes comme ça? Ok. On va le mettre ici, le Golden Freddy. Alors, attendez, je fais le piège parce que je veux vraiment pas qu'il s'échappe de la prison. Ce serait abusé. Ok. Vous êtes prêts? On va le mettre. Golden Freddy. Aïe. Ok, c'est bon, il est enfermé. Par contre, il a bien voulu me tuer, là. Alors, ce bateau, c'est bon. Alors, attends, que je peux... Ok. Aïe! Ma, je peux pas sortir, là. Je me suis pas... Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai tout prévu, j'ai tout prévu. Ah ouais, par contre, ça fait la barre de boss. Bon, c'est pas grave, j'aurais capturé le boss. Hein, écoutez, la noue trop forte. Ok, voyons voir. J'espère qu'il va pas s'échapper. Hein. Mon coffre, top secret. Ok. Alors là, va falloir que je casse le bateau et que je re... Ah, il est horrible. Ok. Ok. Oh non, il y a mon canard. Attendez, je peux peut-être le récupérer. Mon canard. Tu m'auras jamais, espèce de mocheté. Ok, let's go. On a réussi à l'enfermer. Attends, je récupère l'XP, merci. Mon petit canard. Toi, maintenant, c'est la vengeance. Tu resteras ici toute ta vie, plus jamais tu ne reverras le soleil, t'entends? Tu as ôté la vie de mon renard, c'était mon meilleur ami. En plus, il m'a sauvé la vie déjà. Tu es une grosse... Bon, on va pas l'insulter non plus, mais voilà quoi, bien fait. Bien fait pour lui. Franchement, il a que ce qu'il méritait. Bon, la porte, t'arrêtes de troll, là. Maintenant que la vengeance est faite, il faut qu'on fasse le mémorial pour Shipper, mon renard. Franchement, je l'ai vraiment depuis le tout premier épisode. Ça me dégoûte que ce soit un animatronique comme ça, là, qui me l'a tué. Je suis vraiment encore dégoûtée, mais bon. La statue en mémoire de Shipper, j'ai décidé de la faire à côté de l'usine à cupcakes. Déjà parce que c'est dans la forêt de sapins, et en plus il y avait plein de baies ici. Donc je me suis dit que c'était peut-être un signe, quoi. Donc voilà. On va le faire ici, j'ai commencé à déboiser, j'ai farmé aussi un petit peu d'acacia. Donc c'est parti pour le mémorial de Shipper.
Vous me donnerez une note sur 10 pour ma construction? Alors, je vais commencer ici. Hop. En fait, je suis en train de faire la tête du renard. Maintenant, je vais créer les oreilles du renard. Hop, de Shipper. Mon petit Shipper. Voilà pour le petit renard. Maintenant, je vais remplir l'endroit avec de la mousse que j'ai mis un petit peu partout comme ça. Voilà. Ça fera un endroit assez naturel et tout. Oh, regardez! J'ai eu des graines de concombre. Faut que j'essaye de faire pousser ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est les seules graines que j'avais pas, je crois. Merci, Shipper. C'est grâce à Shipper, il nous fait un dernier cadeau. Oh, c'est vraiment le meilleur. T'es le best, Shipper. Voilà, écoutez, regardez, voilà la zone du mémorial de Shipper. J'espère qu'elle vous plaît. Donnez-moi une note sur 10 dans les commentaires. Franchement, moi, je la trouve trop mignonne. Comme ça, bah, écoutez, Shipper peut se reposer en paix et on peut le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté au fil de cette aventure. Merci, Shipper. Merci. Franchement, c'était le meilleur des renards. Oh là là. Bon, ben c'est parti. Écoutez, maintenant, on va aller découvrir les animatroniques drones. Je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai jamais vu, donc on va découvrir ça. Pensez bien à me noter sur 10, du coup, le lieu de repos du petit Shipper, voilà. Je sais pas si je vais adopter un autre renard, parce que franchement, là, ça m'a un petit peu... voilà, bref. Allez, je vais ranger tout ça, je vais faire pousser le cucumber aussi. Cucumber, c'est les concombres, on va voir ce que ça donne. J'ai eu des graines de poivron et j'ai eu un oignon. Attends, mais il faut trop que je plante ça. On va les planter à côté du cucumber. J'espère que ça va donner quelque chose, hein. Je suis quand même encore dégoûtée pour Shipper. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas encore avalé, là, hein, ce qui s'est passé. Ça m'a deg. Alors, pour les drones animatroniques, il y a Chica, Foxy, Bonnie et Freddy. Je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont réagir. Donc écoutez, je vais faire attention. Et aussi, on a Ballonbug qui a disparu. Bon, regardez mon renard là-bas. Non, franchement, il va trop bien avec le décor. Par contre, c'est trop beau. Frostbear, tu pues. Frostbear, il y en a qui m'ont demandé de lui faire une maison dans les commentaires. Franchement, vous voulez vraiment que je lui fasse une maison, là? À lui, là? Bon, peut-être à Noël, hein, on sera gentil. Ce sera son cadeau. Et lui, là, je sais pas quoi en faire. Est-ce que je le tue? Vous voulez que je le tue? Toi, je te tue, toi, espèce de puant. C'est pas de ma faute. Il m'a regardé de travers, c'est pour ça. C'est pas moi. Bon, bref, on va faire les drones animatroniques. Où est-ce que je vais les faire? Drones animatroniques, déjà, je les connais pas. À mon avis, ils sont pas commodes, ces machins-là. Je vais dormir dans la maison des abonnés. Il fait toujours bon dans la maison des abonnés, c'est mon refuge. C'est parti pour les drones animatroniques. J'espère qu'ils vont pas trop m'embêter. Je vais utiliser le piège que j'ai fait la dernière fois, comme ça. Écoutez, on pourra les observer de près en restant safe. Oh! Oh! Alors attends, on va tous les mettre. Oh, mais ils ont l'air super sages comme animatroniques, regardez. Ok, là on a Bonnie et là on a Freddy. Hop, excuse-moi Chica, je t'ai mis en bas. Attends, est-ce que je vais la récupérer? Excuse-moi, c'était pas volontaire de te mettre en bas comme ça, là? Elle va s'en rappeler que je l'ai frappé, non? Ils sont immortels ou quoi? Ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Ok, regardez! Ils sont trop beaux! Alors, ici on a Drone Freddy, ok. Je peux pas le tourner, il est très statique, hein, par contre. Hein. Ici c'est Drone Bonnie, franchement il est très beau. Drone Foxy, par contre il a les yeux jaunes. C'est normal ça que Foxy ait les yeux jaunes. Et Drone Chica, elle est horrible. Elle, on dirait qu'elle a pas dormi depuis 40 jours, regardez ses yeux. Enfin, en vrai, c'est vrai, parce qu'ils dorment pas la nuit. Voilà de dos ce que ça donne. Franchement, ils sont mignons, hein, j'aime bien. Voyons voir, est-ce qu'ils vont m'attaquer cette nuit? Je sais pas, hein. On dirait des statues. Non, mais pourquoi ils s'appellent des drones? Vous croyez qu'ils volent? Bon, bah, on va attendre gentiment. On va voir s'ils se réveillent. Ils ont l'air gentils. Sauf Chica. Oh, regardez ce que j'ai eu en cassant les herbes. J'ai eu des graines de brocoli. Ça, c'est beaucoup trop bien. Je vais pouvoir ouvrir mon propre restaurant de pizza très bientôt. Mais pour cela, il me faut plein de graines. Ah, nice, j'ai un oignon. Trop bien. Donc écoutez, dans la prochaine vidéo, j'ouvrirai mon restaurant de pizza. Et peut-être que les drones, vous serez dans la pizzeria. Vous voudrez venir dans ma pizzeria? Je vous invite. C'est moi qui fais les pizzas. Alors moi, je veux faire des pizzas au feu de bois, déjà, parce que c'est les meilleures pizzas. Ça sera banni dans mon restaurant, les pizzas à l'ananas. Par contre, je ferai des pizzas au brocoli. Oh, il y a du maïs aussi. Oh non, pas de maïs dans... Oh non, il y a des ananas. Eux, on les bannira, ok? On fera une pizza et on la mettra en prison. Une pizza ananas.
Bah écoutez, j'en profite pour planter mes trucs là pour ma future pizzeria. Oh, regardez! C'est trop bizarre ce que ça fait. C'est l'oignon qui a fait ça, non? Alors, on va quand même planter les ananas et bidouza. Mais les ananas, c'est un arbre normalement, non? C'est un ananasier? Je sais pas. Oh, ça ressemble à quoi? Tiens, bizarre. Ça pousse sur quoi les ananas? Bonne question. J'ai jamais vu. Un ananasier. Chica! Attends, il commence à faire nuit par contre. Vous êtes gentil ou pas? S'ils sont gentils, 2000% j'ai mis dans ma pizzeria. Bon, ils ont l'air gentils comme tout. Alors, on est gentils ou pas? Ok, ils sont gentils comme tout. Chica! Oh là là, j'ai eu un petit coup de stress. Mais regardez, les drones, ils sont adorables en fait. Non mais c'est sûr! Semaine prochaine, j'ouvre ma pizzeria, on bannit les pizzas à l'ananas et... on fait des drones, on les mettra dans ma pizzeria. Ouais, trop bien. Vous vous rappelez quand vous m'aviez dit dans les commentaires « Ouais, Flanou, mais pas de l'eau parce qu'ils vont se noyer et tout. » Donc bah, ma théorie, c'est que Bell & Boy s'est noyé. Donc écoutez, on va essayer de le remettre. Je l'ai pas vu aux alentours. Tu vas jouer à la marraine, Gigi? Avec Bell & Boy? Bah oui, t'es tout seul, mon pauvre Gigi. Mon pauvre Gigi, il est parti, ton copain. Tiens. Allez, je te le remets. Ballon boy. Voilà. Ah! Pourquoi il m'attaque? Idiot! Arrête! Non? Non? Sale enfant! C'est un enfant terrible! Ah! Ok, c'est bon. Pourquoi il m'attaque? Non mais Ballon boy, t'es censé dormir la nuit, hein. Et puis quoi encore? On attaque les flanous, là. Non mais oh! Tu te calmes! T'es petit canard et tout, c'est ça? Ah bah oui, petit enfant terrible. T'es un petit enfant terrible, toi, hein? Bah oui. Bon, la prochaine fois, Ballon Boy, je vais ouvrir une pizza et t'auras pas le droit de venir. Aïe. De toute façon, toi, je suis sûr. Attends. Attends, c'est moi ou il est monté sur les barrières, là? Allez, va jouer avec ton copain, là. Tu m'agaces, hein? Rappelle de ton grand-père que je t'ai montré l'autre fois? Hello. Bah, ton grand-père, il est de mèche avec un tueur. T'es content? On se retrouve la semaine prochaine pour faire la pizzeria de Flanou et où il y aura les pizzas à l'ananas qui seront bannies et on mettra les drones dedans. Et voilà qu'on découvre aussi les Remnants Infuse. Yes! Je vous fais plein de bisous. Dites-moi quelle est votre pizza préférée, comme ça je pourrais essayer de la préparer. Plein de bisous, petite note sur 10 pour mon shipper. Bah oui, franchement, ça m'a vraiment fait trop de la peine, mais bon, on s'est vengé au moins. Oui, plein de bisous, portez-vous bien et à très vite. Bye bye! Bye!